Est-ce que là on m'entend mieux? Et Moumou, dégage du clavier, enfin! J'ai pas dû m'assurer. Ça va mieux le son ou c'est toujours. Non, commence pas à jouer avec les fils, hein. Mieux ou pas? C'est toujours de la demeure. C'est un peu mieux, mais pas ouf. Alors on va continuer. Ta griffe est dans mon pied là, Momo. Je t'aime fort, hein, mais pas à ce point. Est-ce mieux? Je suis au maximum. Et le jeu est fort, je vais baisser un peu le jeu aussi du coup. Voilà. Est-ce que là maintenant c'est mieux? C'est parfait, et bah parfait. On est reparti. Du coup, on était sur l'île aux forêts, il fallait aller chercher notre petit poteau du Moria pour aller au temple du vent. Alors par contre, il me faut ma soluce parce que me rappeler des notes, voilà, ça va être compliqué. Oh, comment tu me... J'ai plein de coups qu'on tapait dans le vide, j'ai pas compris. Passage, c'est ça. Et il est toujours pas là? Eh ben non, parce qu'il fallait aller parler à l'arbre Mojo. Voilà, même connerie qu'hier. Hein. Non, on joue pas avec les fils. Bah ouais.
Mais c'est le propre des Zelda en même temps, quand tu quittes comme ça au milieu d'une zone, ils te remettent au début. Malheureusement. C'est ce problème là, parce que j'ai quitté en rentrant dans le. On va dire dans le sanctuaire de la maison. Et ils m'ont remis au début, c'est fumier. Bon, après, ça va que la route est pas très très longue non plus. Hein. On voit que je suis déchantelle, exactement. C'est scripté, il faut forcément faire le temple de la terre avant. Casser les couilles. D'accord, donc oui, en fait, je suis obligé. Il n'y a pas de catégorie. Oh mon dieu, mais pour moi, il y est. Voilà, j'ai changé. Donc apparemment, je suis obligé de faire le temple de la Terre avant, ce qui n'est pas non plus un gros problème, hein, en soi. Ça me nique un petit peu de mon délire, mais c'est pas très grave. On va aller faire le temple de la terre avant. Et j'avais le souvenir qu'on pouvait choisir. J'avais le souvenir qu'on pouvait choisir avant. Tant pis, hein. Qu'à cela ne tienne. Let's go temple de la terre, du coup, hein, pour apprendre le chant du dieu de la terre. Parce qu'on entendait déjà Medoli, normalement. Je vous donnerai dans ce genre de... C'est pas la chose. J'ai pris un... Avant de faire une connerie. Oui, c'est bon. Un fruit miam miam. Bon, sinon, comment ça va, les amis? Passez une bonne journée, bon après-midi. Maintenant que je suis lancé et qu'il y a juste de la route à faire.
Il est super loin, Poscom. Tant pis, hein. Tes deux chiens sont malades. Ah, ouais. Super. Oui, on peut dire oui. Enfin, peut-être pas, mais... On va espérer que ce soit pas trop grave, hein. Allez. Allez, les mouettes. Voilà. C'est ça que je veux, moi. Ouais, alors je m'en fous. Ils ont peut-être chopé le corona. Hein. Lol. Je sais que les chats peuvent le choper, mais les chiens, je suis pas sûr. Dieu de la terre, trop bien. Voilà. Une Zora. Les musiques, c'est toujours un pur kiff. Golly du dragon, les amis. Voilà. J'ai dû faire ça hier, en fait. C'est pas grave. J'aimerais bien faire les deux temples aujourd'hui, au moins ça allait. Ouais, je suis d'accord avec toi, Lyon. Non, par là, ouais. Allez, je sais pas ce qu'il fout le touriste là. Il y a pas un truc à faire pour le débloquer.
C'est le cas, j'ai jamais fait. Il faut lui amener un truc, mais je sais plus. Salut ? Non. D'accord. C'est pas là que je voulais aller. Ah bah c'est là, voilà. En même temps, je suis exceptionnel. Pardon, c'était sale. J'allais boire. Ah, le faire une main, forcément, c'est pas compliqué. Voilà. Grand moment. Bien. Eh oui, ce passage, eh oui, mais toutes les musiques de toute façon de ce jeu sont folles.
D'ailleurs, j'espère que vous avez remarqué, mes petits amis, mais Dolly là, on le voit là, la petite épingle qu'elle a sur son épaule gauche, c'est le symbole de la perle de Nairu, la perle de Jabu Jabu. Et du coup, le sage l'avait aussi sur son plastron. Tabar. Eh ouais, t'avais jamais fait gaffe, hey. Putain, des frissons, juste par l'importance du moment en fait. Par tout ce qui est, par tout le sens qui en découle. C'est aussi ça, je trouve qui est très très fort dans le jeu. C'est ils ont parfaitement réussi à te créer un truc qui est enfantin au début et après t'amener quelque chose de lourd de sens en fait et vraiment de pesant même limite. Ocarina of Time, la différence, tu commençais, tu savais que c'était déjà la merde. Et tu sors du bois Kokiri, tu sais que ça pue. Mais c'est ça, c'est exactement ça, Chine. Au fur et à mesure des rencontres et machin. Ouais. Et là, je vais pouvoir faire le poisson normalement. Il est pas trop trop loin. Tout à l'heure, il était derrière l'île, ça va, pas déconner. Oui, bah normal, hein, ça, les gens qui crachent sur un jeu avant de l'avoir testé, on les connaît, hein. Après voilà, c'est le côté cel shading, c'est un parti pris et qui a marché pour le coup vu qu'ils ont repris le même délire avec Breath of the Wild. Bon, ils ont repris le cel shading juste, pas le graphisme cartoon. Mais après voilà, le cartoon ça marche très très bien, on s'en bat les couilles que ce soit cartoon. Parce que je sais pas si vous vous rappelez la gueule des Zelda au début, mais c'était quelque chose hein. Les Zelda sur Game Boy et machin, les premiers Link to the Past. C'était chaud, hein. Là, après, sur le remake, justement, de... Attends, putain, comment il s'appelle? C'est pas Link to the Past, du coup, c'est... Alors, je ne parlerai pas de Valhalla, parce que je l'ai pas... Du coup, je l'ai pas fini, j'ai pas assez joué. Pour vraiment avoir un avis dessus. Même si, voilà, ce que j'ai déjà dit sur le jeu, je le maintiens, et à mon avis, je le maintiendrai jusqu'à la fin. Parce que ça, ils vont pas l'améliorer. Ben ouais, ça va le faire.
Oui, c'est ça en fait. Des moments comme ça, j'arrête de respirer carrément parce que je sais pas si ça s'entend dans le micro en fait. Bah, elle a son tabac aussi, la paire de Nairi. Non, ça s'entend pas, parfait. Ça veut dire que je peux respirer. Ouais, moi, il faut que j'aille avec la feuille mocho à tous les coups. Ah putain, faut que je la porte. Genre passer une porte, c'est un truc. Bon d'accord. J'allais faire une vanne encore une fois, mais c'est sale. Quand tu dis que c'est des enfants, je vais me retenir, je vais me retenir. Mais je suis dans la salle tout le temps en fait, je me retiens, t'imagines même pas à quel point je me retiens, Nostin. Mais des vannes à la con, il y en a plein. J'ai quand même mis sur Twitch, machin, j'essaie de me retenir un petit peu pour être un peu plus. Je vais pas dire family friendly, mais voilà quoi, on m'a compris. Un quoi? Apprends à taper Shin par contre, s'il te plaît. Ah, j'ai mangé un peu de Shinta. Oh. C'était quoi déjà? Ah. Bah, je fais toujours des vannes sales et machin. Je l'ai fait sur le stream de Kurt, hein. Et encore, voilà, c'est gentil. Oui, bah j'avais compris, c'est ce que j'allais faire justement. Parfait ça.
Je peux pas faire tout le donjon avec mes deux lignes, hein. La tête qu'elle tire! Ah ouais, elle avait carrément l'air baisée. Ça colle encore plus à ma vanne du coup. Ça va ou non ou... Ça me gagne. Voilà. Et toi, t'as pas un truc? Non! Je suis trop con. Ah voilà. Hey, j'ai eu ma gelée. Ça doit être la carte ça, non? Non! Je me garde de touche, j'avoue, je vais faire un truc en fait. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ça va, j'ai eu peur. Je pensais que c'était autre chose qui allait venir. Ouais. Thank you.
Je sais, Shin, je sais. Franchement, ils sont gentils là dans dans Wind Waker. Dans Ocarina of Time, ils sont vraiment horribles. Ils sont serrés qu'ils t'en peuvent plus. Oui, les effrois. Dans Ocarina of Time, ils étaient vraiment horribles. Serré en même temps. Ah mais non, j'ai besoin d'elle. Elle est où? Hello. Sale bête. Ah mais non, j'ai récupéré une clé. Je suis trop con. Peut-être je peux partir. Elle est poignante quand ça va. Vraiment, les effrois. Pire truc. Pas demandé de monter dessus, enfoiré. Ah oui, non, pas du tout. Il est un peu long à encocher ses flèches, Link. Ah, il est pas dessus, t'es sérieux. Non, mais genre tellement pas. Eh!
Allez où mes demi? Allez là. Viens là. Pour ici, mais de barre. Je sais même pas si on fera le temple du vent ce soir en fait. Bien la grande. Assez vite. Cassez-vous les fantômes. Vous vous possédez, ça va être le pire truc. Voilà. C'est horrible de se diriger. Les contrôles inversés là, c'était c'est vraiment la pire idée qu'ils aient eu hein.
Les miroirs en fait pour bien faire. Mais non! Comment je fais pour ouvrir ce qu'il y a là? Faut que je me débarrasse de lui? Ah mais oui, il faut que Dolly lui mette le... Ah c'est pas grave, vas-y. Fallait que Dolly lui mette le maléfique, la lumière dessus pour qu'il devienne solide et que je puisse le frapper. J'ai oublié de délire. Ah, on a nos meilleurs potes qui arrivent. Le mur lui a sauvé la vie, hein. La glace, ça marche pas sur eux. Après, ils ont été gentils avec les effrois sur Wind Waker parce que dans Ocarina of Time, ils font tellement plus mal. Pouf. C'est juste le principe du cri qui est du cri paralysant en fait qui est vraiment hyper chiant, après sinon rien de compliqué avec les mecs. Elle a pas le droit de venir, interdit aux femmes. Easy!
D'ailleurs, dans Windbreaker, ils appellent pas ça des effrois, ils appellent ça des remords. Je viens de voir ça dans la solution. Et voilà! Nous l'avons enfin! Bouclier miroir. Vous êtes revenu, vous? Ouais. T'as une porte de mal, non? Cassez-vous du milieu! Pas trop comment elle marche leur lumière là. Plus bas, voilà.
avance tranquillement. Je pense que cette première phase serait plus longue. Le souvenir doit être un peu biaisé. Ça qu'on fait. Il est 4 ans à aller tirer ses flèches. Eh oui, Nassine. Eh oui. Et encore, j'ai pas encore regardé la solution. Je suis ouvert et je suis à la page, c'est au tout début du temple. Ok. Ah, ouais, je me balade en fait. Je me suis baladé dans un petit peu tout le jeu d'ailleurs. Mais de toute façon, voilà, je te l'ai envoyé aussi. Tu verras. Yeah. Soit y a rien de compliqué. Surtout que on connaît le jeu quoi. Ça aurait été la première fois que je le fais, voilà. J'aurais mis un peu plus de temps, j'aurais cherché les énigmes et machin. Là je me rappelle comment qu'on fait quand même. Je dois pas être le seul d'ailleurs, vous aussi vous devez vous rappeler. Enfin, je dis vous aussi si Chine est encore là d'ailleurs, parce qu'on n'a plus beaucoup de nouvelles. Ah, il y a un coffre ici. Ils ont quelqu'un.
Non, en soi, c'est pas compliqué, mais même si tu te rappelles pas de tout, en fait, c'est... Tu vas voir, hein. Tu vas commencer à jouer et en fait, c'est ancré en toi. Vraiment, hein. Ouais, tu vas chercher 2 minutes ou un truc comme ça, mais... En soi, voilà, tu traverses le jeu. Hein. Rien à voir avec... Il y a presque 20 ans. Du coup... Oui. Non mais c'est maintenant que tu me le dis. En fait, Shinny a disparu. Je vais trop vite pour elle, c'est sûrement ça. Il est trop vite, celle qui est trop lente, c'est tout. Ah, pire moment. Allez, tape, 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 tape! Parfait. Pouf. Il met 4 ans. D'ailleurs... Je me demande ce qu'il donne. Tu vas vraiment juste me donner l'énergie magique ? Déception.
meilleur truc. Voilà, ça c'est fait. On est quand même déjà au boss, hein. Mais il n'y a pas un moment où elle est censée se faire capturer? Je crois qu'elle se fait capturer. Je vais parler dans le bouquin de celui-ci parce que on verra, mais il me semble. Il a de la force quand même le petit gars. Si elle bouge les trucs, la lumière elle va rester, rassure-moi. Ouais, parfait. Il est juste là, ça serait bête de pas le prendre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'air du Marinettis d'ailleurs, pour ça. J'aurais pu y aller avec lui. Tout simplement. Au moins, elle est restée posée. En fait c'est ça, Shinny il a vraiment disparu, comme hier, en fait. La chaleur là. Ces gens, je vous jure. Doucement. Je suis désolé, je parle pas beaucoup ce soir, mais c'est vraiment, j'ai un gros coup de fatigue. J'essaie quand même de faire le taf, mais... Alors en fait, je suis concentré sur le délire, du coup j'arrive pas à tout faire en même temps. Oh, trop bien! Bon, c'est sorti du 1, mais... Eh oh, laisse monter. On est pas dans le Titanic, hein.
Gond envie totalement comme Chine. C'est sûrement ça. Pourquoi ça a été une dure journée pour tout le monde? Hein, oula, on verra plus tard. Alors attendez, je vais se regarder parce que Moumou est dangereusement près du clavier. Voilà, n'appuie pas sur échappe pour rien. Tout va bien le chat. C'est vrai qu'elle grimpe pas et elle vole. Excusez-moi. Ouais, c'est une blague ou pas une blague d'ailleurs. Il dort bien là, le con, mais... Je l'aurais quand même mauvaise, tu vois, si... Il me quitte le truc maintenant. Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique, ça. Ça veut dire que l'automatique elle connaît pas. Hein. C'est tu sauvegardes ou tu l'as dans l'os? Parce que un jeu de. On va dire actuel. C'est ça, il faudra tout retraverser. Un jeu, on va dire actuel. Ils auraient mis une sauvegarde, un point de contrôle, tu vois, à chaque fois que tu passes une porte. Un truc comme ça. Et du coup, oui, à la limite, si tu prends la logique des Zelda, ils t'auraient remis au début du donjon, mais t'aurais quand même gardé ton avancement. Là, il quitte en fait. Et puis, mon heure presque et demie de stream, je peux me la mettre. Oui. Alors, je me mets là. Mais Dolly. Oulala! Il a mis la patte sur le bouton. Il l'a mis. Il l'a pas appuyé, mais il l'a mis. On va bouger le clavier de là. Voilà. Très très loin. Tout va bien, loulou. Endors-toi. Je le savais, hein. C'était obligé. On a senti la panique un petit peu, non? C'est ça, il a carrément trollé, en fait. C'est pas où. Ouais, non, mais maintenant il y a des obstacles dans la pièce devant la pièce. Je l'aurai pas comme ça. Ah mais oui, elle passe pas les portes. Ah merde. On va les tuer eux.
aucune défense. J'ai mal à gras. Comment je fais pour les tuer eux? Je vais le jouer comme ça hein. S'il faut ça pour vous tuer, je le fais hein. Allez, 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 allez. Le boomerang, bah je sais pas, écoute toutes les attaques, il semblait les parer ou être insensible donc. Les flèches rebondissaient. Les bombes, ça leur fait juste un stun. Bon, au moins on a la... C'est... Je pensais qu'il était vraiment plus long que ça, ce donjon. J'avais le souvenir d'un truc vraiment hyper long. Et en fait, bah, pas du tout. Enfin, pas du tout. Il est pas court non plus, hein, mais... Je l'ai pas pris le coffre. Ah bah non. On va aller donner ça à tout ça à l'institutrice après. Allez. Bon, donc apparemment, elle se fait pas capturer. C'est une très grande déception. Je vous avoue. Elle vient même pas m'aider. Ok. C'est ton temple, hein. Ah, j'aurais peut-être dû aller. Alors, débloquer une nouvelle attaque.
Déjà? J'en ai tué qu'un? Il reste qu'un. Non. Là, comme tu dis, dommage. Merci Nostin. Oui. Bon, on va aller chez Orko du coup débloquer la nouvelle technique. Il est où le... Mais Dolly, ni oui ni merde, je me casse. Ah, quand même. L'animation de Link, elle est mal cyclée! C'est moche! Ah ouais non, j'ai presque 700, mais j'ai pas les 950 encore. Mais oui, t'inquiète pas, Médoli.
624, voilà. Tu m'en manques 326. J'en ai pas forcément besoin, hein. C'était, je voulais aller chercher Sweet Terry parce que ça me semblait être le plus simple à atteindre à ce moment-là. Pour avoir un cœur en plus. Mais là sinon pour l'instant, voilà. J'en ai vraiment pas. Enfin, j'en ai pas une grande utilité. Je dis pas que ça me servira à rien, hein, mais. Et si on allait se faire la grotte aussi qui est là-bas à droite? Hein? Qui est censé être l'un des défis les plus durs du jeu. C'est pas le cas. Je remarque même pas, j'ai changé d'épée et de bouclier. Deux fois il m'a touché alors que j'ai appuyé sur le bouton. Par contre tu m'as vexé là. J'en ai 11. Énorme. Il m'a toujours fait délirer cette attaque. Eh oui. Ah mais oui, clairement, quand t'arrives à la placer, c'est génial. C'est pour ça, là, sur les fantômes, ça aurait été parfait.
Allez, parce qu'il m'a vexé là. Allez. C'était bugué ça. J'aime pas du tout l'endroit où on est. Attaque! Attaque! Non! Oh, j'étais trop con. Merde. Il faut arriver jusqu'à 250, je crois, un truc comme ça. Bon, moi j'ai eu des sous. J'ai envie d'aller tenter la grotte. On va aller voir ça. Sky Relax, bonsoir l'ami. Comment ça va? Merci de passer. Ah mais je suis parfaitement d'accord avec toi, Skyrlax. Parfaitement d'accord. C'est d'ailleurs bien pour ça que je leur fais. Et merci pour ton follow, l'ami. Ça fait très plaisir, ça soutient beaucoup. Merci beaucoup. Ça montre que je fais pas que de la merde et que ça plaît quand même un petit peu aux gens. Mais bienvenue, installe-toi confortablement.
Sporty. Il est pas là-dedans. Oh, trop bien. Oui. Ah, mais non, mais c'est celle-là, la caverne de Lord Ali. J'ai un doute. Si c'est la vraie caverne de Lord Ali, comme par l'ordre de Lord Ali. Je pourrais pas la faire. Après, dans les meilleurs Zelda, Sky, je vais t'appeler Sky, ça sera plus simple. Je place quand même Toilette Princesse assez haut dans le classement. C'est un petit plaisir, quand même. Oula, alors attends, il va falloir que. Remerciement, tout ça. Ah oui, ah, ah oui, tu m'étonnes. Mais tu savais pas qu'il y avait ce truc de, on va dire une pseudo nouvelle partie plus en fait. Ou en fait, si tu fais ça, tu reprends du coup ta partie avec. Si t'as fait les quêtes. Ah, t'as pas réfléchi, c'est dommage. Ouais. Parce que ouais, si t'as fait les quêtes de la boîte à images en fait pour l'avoir en couleur, tu l'as dès le début en couleur dans le jeu. Tu as Link qui reste avec sa tenue de base, donc avec le t-shirt bleu avec le homard et le pantalon orange là. Tu as Ariel qui a la robe de pirate, et pas sa robe bleue de base. Et les dialogues iliens sont traduits, du coup tu comprends ce que disent Valou et Jabu Jabu. C'est énorme. Shin qui se réveille. Oui, oui, je suis aussi sur émulateur, je suis sur Dolphin. Meilleur émulateur GC, et oui d'ailleurs à mon goût, c'est le plus stable. Non, c'est une Pokéball, ah, c'est un Shin, il faut lancer une Hyper Ball, une Master Ball, je sais pas, mais un truc. Faut pas le laisser filer. Et là, il va se remettre en mode plein écran et c'est fini. Il va s'endormir. Oh, tu oses bosser en même temps? Non, j'ai pas commencé ce soir, c'est le troisième jour, je crois, que je suis sur Zelda. J'ai commencé lundi. Du coup, c'est ça, on est mercredi, oui, c'est le troisième jour. Ça fait trois jours, mais du coup, je stream que... Je stream que le soir, en fait, à partir de 20h. Donc voilà, j'avance tranquillement. C'était joli ça comme oui non mais le jeu je l'avais sur GC quand il est sorti, je l'ai fait plusieurs fois et tout machin, je le connais un petit peu par cœur. Oui, Wind Waker, je l'ai fait parce que c'est voilà, j'avais un petit moment de nostalgie qui me prenait. Thank you.
D'ailleurs, bon. Ah bah écoute. Je suis né à la bonne époque pour avoir la GC, c'est surtout ça. Mais je suis pas le seul, hein, les mes deux chers modérateurs aussi en sont là, au même point. Ils étaient aussi hypés que moi que je commence le jeu. Ouais, je vais farmer en même temps, hein, les gars. À peine, perso. C'est ça. Moi aussi, je l'attends avec impatience. Mais au TW, ça a été un gros délire pour moi. Vraiment un très très gros délire. J'aurais bien aimé le stream aussi, mais bon, voilà. Va trouver un émulateur switchable. Non, BOTW, j'ai plus de 120 heures dessus, je l'ai fini en normal, en expert, avec tous les sanctuaires. Vraiment un gros délire. C'est exactement ça, Dustin. Ah mais... Même Twitter tremblait, exactement. En même temps, vous êtes pas femme, vous avez cramé Métis dès le premier. T'arrêtes de me taper toi. Merci. Ah, ça va être un peu plus chiant là. J'y arrive ou pas? Ouais, dommage, j'ai pas pu leur mettre. Tu m'étonnes. Mais non, Austin, il faut pas. Il faut pas faire ça. Mais ouais, Sky, tu m'étonnes. Moi aussi, les bugs des jeux comme ça, ça me fait rage en général et je retombe plus dessus. Mais bon, c'est Wind Waker, c'est dommage de. À mon sens. Ça voilà, c'est tu l'as déjà fait. C'est très grave. Thank you.
T.O.S. Ouais. Hein? Exprime-toi, Shin. Je sens que tu veux dire quelque chose. Homme symphonien, ouh, alors ça je t'avoue que c'était pas mal, c'était pas vraiment ma cam. Tell of symphonien, c'était pas vraiment mon délire. Ok, alors je veux Star Fox. Non mais j'ai le droit d'avoir un programme à moi ou je me fais quémander des trucs là, direct. Je fais ce que je veux, déjà demain. Je sais pas encore quel jeu je vais faire après celle-là. T'as jamais fait Star Fox? Oh, oh mon dieu, Nostine, mon dieu. Moi aussi, il est prévu pour un moment, mais je dis pas quand. Ah, t'es un symphonien, ok. Top 5 des jeux GC, ouais bah écoute. C'est ça alors, c'est une vraie caverne de leur vie, ok. C'est un fou que je l'ai fait 4 fois, c'est bon. Non mais moi aussi je l'ai fait 4 fois. Ça veut pas dire qu'on va pas le refaire. Les enfoirés. Ah voilà, c'est bizarre, j'arrête ma fête. Non mais je suis con, je vais avec l'épée, moi je le sais en plus. Oh ça va me gaver. Thank you.
Allez, allez. Calme-toi. Récupère une petite épée. Ça fait ridicule cette épée sur toi. Sur quoi j'ai bloqué? Allez, attaque! Voilà, merci. Je prends ça, hein. Il ne veut pas. Voilà. Allez, sortez-moi des défis un peu, je sais pas là. Faire quelque chose là. Alors là, je vous avoue que ça va se corser. La couleur de leur armure avait quelque chose à voir avec leur résistance ou leur force. Oui, un petit défi. Ouais. Je crois que je suis en train de chercher des... C'est pas un truc pour... la Triforce, ça? Ah bah voilà, je suis arrivé au bout. Je crois bien que c'est une carte de la Triforce.
C'est ça. Moi je pense que c'était juste une caverne pour aller se marrer avec des gens, mais... Ah non, voilà, et après ça continue. Donc la vraie caverne de Lord Ali, c'est ça. Bon, et bah tant pis, hein. Je le referai s'il faut, mais... Bon, bah maintenant que ça c'est fait, on va aller chercher du Moria. On va aller chercher du Moria. Et alors apparemment, d'après ce que j'ai lu dans le bouquin de Solus, il y a un moyen d'arriver ici sans utiliser la feuille Mojo. Avec le grappin griffe, je sais pas. Ah non, avec le grappin tout court. Ah bah oui, tu le plantes dans l'arbre là. Oui. Oui. Simple logique maintenant. C'est Momo, c'est mon bouquin de Solus ça. Bon bah apparemment c'est confortable. Non, j'ai fait 142 coups, il faut en faire 250 je crois pour avoir les rubis. Je sais quoi. Je me suis fait péter au bout de 142. Tu fais tes griffes sur ma Solus, tu viens de descendre de lit, je te préviens. À quand les puzzles? Bah écoute, j'ai débloqué l'île de Kissa. Faut y aller maintenant. On va y aller de toute façon pour les cartes de la Triforce donc. Bah c'est go en fait, on doit y aller pour les cartes de la Triforce, donc on ira après. On ira après, Chine. Le mec il veut juste me voir souffrir en fait. Merci, monsieur. Allumez vos oreilles et moi je vais mute.
Il a encore mal cyclé, c'est moche! Oui, ça je m'en rappelle aussi. C'est juste vraiment entre les dorés et les blancs, là, je me demande si c'est vraiment une différence. Bravissimo! J'aille, c'est au nord. Merci. Ouais, on va laisser comme ça, c'est bien. Eh, mine de rien, j'ai juste fait un donjon, je me suis un petit peu perdu au milieu, mais ça fait déjà plus de 2 heures de stream. Ouais, le temple de la Terre, il est quand même pas hyper court quand même. Ouais, je touche le pad, ça fait apparaître la souris. Hein. Allez, allez, on y est. Avec le petit du Moria sur les cornes du lion rouge. À mon sens, ce donjon-là, c'est le pire de ce jeu. Vraiment, hein. J'ai toujours voulu avoir du Moria. Je comprends, un truc en peluche, ça aurait pu être sympa. Thank you.
Et voilà, le temple du vent. J'avais oublié cette musique. Ah oui, il est bien bien lourd. Faut faire 40 000 allers-retours, toute la phase avec le grappin et tout, enfin. Faut jouer avec la feuille mojo et tout, enfin c'est horrible hein. Il est vraiment horrible. C'est pour ça que, comme j'avais déjà un coup de barre pendant longtemps le temple de la terre, on va s'arrêter là les amis. Je sais, je vous comprends plein dans votre délire. Vous en vouliez encore, encore et encore. Mais j'ai pas la force là. J'ai pas la foi. Genre j'ai pas la foi. On fera ça demain. Tranquillement. Comme ça, avec ça, on commencera à aller chercher les cartes de la Triforce. Parce qu'il y en a plein partout. Et ça, par contre, je vais user et abuser de la soluce. Oh, et oui, Shin, je suis désolé, hein. Mais, grosse journée et je suis pas... Je suis pas OP. J'ai pas la foi. Il faut que je me prépare mentalement, en plus, pour le Temple du Vent. Il est horrible. Enfin bref, là-dessus du coup, les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et une bonne nuit. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain pour la suite, c'est-à-dire le temple du vent et début de la chasse des cartes de la Triforce.